départ du Grand Prix de Namur, Marnik Borwoud s'est un peu tendu. Il est le seul à encore pouvoir rattraper mathématiquement Joël Smets, qui ne se pose pas trop de questions et, comme à son habitude, se lance de toutes ses forces dans la bagarre. Dès le départ, Joël Smets prend la tête des opérations. Marnik Borwoud, quant à lui, est toujours sur la ligne de départ. Il a calé. En une seconde, il vient de perdre toute prétention au titre et repart bon dernier dans cette première manche. Loin devant, Joël Smets impose un rythme impitoyable que ne peuvent adopter ses poursuivants, Andrea Bartolini numéro 1, Peter Johansson numéro 2. Les 25 000 spectateurs sont fous de joie, donnant encore plus de courage à Joël Smets. Andrea Bartolini se fait peur et comprend rapidement qu'il n'arrivera jamais à inquiéter un Joël Smets survolté. Derrière, ça piétine un peu, sauf pour un certain Marnik Borwoud qui remonte tout de même à la 14e place. Smets prend les 20 points, conforte son avance au général et pourtant ça ne le calme pas. Mon tempérament ne me permet pas de rouler doucement, de rouler sur une façon défensive. Donc je vais aborder la deuxième manche comme la première et comme tous les autres manches de championnat, je vais attaquer. Et effectivement, dès le départ de la deuxième manche, Smets se lance dans le peloton de tête, pendant qu'à l'arrière, un mini carambolage ralentit six pilotes. Marnik Borwoud, cette fois, n'a pas loupé son départ et mène la cadence devant Smets, les deux Bartolini et Johansson. On le croit regonflé à bloc, mais Marnik ne tient pas la pression et au deuxième tour contrôle mal ses gaz et commet l'irréparable. Il craque nerveusement et légèrement blessé à l'index, il abandonne la course. La voie est dès lors ouverte à Joël Smets qui impose une nouvelle fois son rythme à Bartolini et Johansson, impuissants. Les positions ne changeront pas, Smets gagne sa 11e manche consécutive. Le public belge est déchaîné, il a compris. Joël Smets est pour la 4e fois en 6 ans champion du monde des 500 cm3. Joël est sur un nuage. Les spectateurs, tout le monde, c'était la folie. Hein. Plusieurs endroits, j'entendais pas ma moto. Hein. Il y avait tellement de drapeaux, tellement de monde, tellement de klaxons. C'était vraiment unique. Quoi. Ça t'y trouve nulle part dans le monde. Hein. C'est unique. Il reste 3 Grands Prix. Joël a 143 points d'avance sur son coéquipier Johansson. Borwoud perd la deuxième place pour 10 malheureux petits points et ne peut que regarder Joël exulter. Andrea Bartolini passe son numéro de champion du monde à Smets, tout un symbole. Monsieur Veriste.